Et bonjour à tous, on est parti sur une nouvelle présentation de map, c'est la ferme des Brigades. Ça a été conseillé par mon modorateur, mon modo de Draghi83, pardon, qui fait des vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne qui est en description aussi, les amis. Elle m'a été conseillée, putain, donc du coup j'ai été spoté un peu sur internet. Donc apparemment elle était sur le 19, mais moi le 19 j'avais pas été sur beaucoup de maps, j'étais sur la map à Cocorico, la map à JC et la map à Deschazé. Donc c'est les seules maps à peu près que j'ai faites sur le 19. Et encore je faisais pas de présentation de map et puis tout ça, donc je spoilais pas partout. Donc du coup j'ai vu que c'était inspiré de l'île de France et que plus précisément de Seine-et-Marne. Donc Seine-et-Marne, c'est où que je suis né, donc je suis un peu parisien. Et j'ai aimé la petite phrase en dessous, bienvenue chez les parisiens. Donc ce lien là, quoi, cette map là elle est sortie hier ou aujourd'hui, je crois que ça doit être aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. Et du coup, les amis, on va la découvrir. Alors, espérons que ça fonctionne, parce que ça fait 4 fois que je redémarre la partie. Donc, espérons que ça fonctionne bien. Ouais, c'est bon, ça a l'air de fonctionner, ouais. Bon. Ça me fait plaisir de voir une map comme ça. On va aller voir le PDA, déjà. Assez, c'est complet, les amis. Franchement. Franchement, il n'y a que du mieux, quoi. Franchement, on tourne pas beaucoup en FPS, donc il se faut que je la redémarre après, je ne sais pas. Il y a quoi faire, franchement. Il y a quoi faire. Bon, alors on va aller voir. On va aller voir ce qu'on a comme matériel. Allez, c'est reparti. Ouais, c'est bon. On a le Massey Ferguson, le 5S105. On a la benne Michelin, que là on l'a pas vraiment bien détaillé. Là on a la Massey Ferguson, là c'est full Massey Ferguson. Hein. Attention les yeux, avec sa petite barre de coupe de 5-6 mètres je pense. C'est une barre de combien? 4 mètres ou 5 mètres? 5 mètres 50. Ok. On a le poids. Voilà, elle est pas mal. Hein. On a le 8S. Là, c'est full massé. Hein, putain. Ça arrivait à rentrer comment là? Ça passe là-dessus. Ah, d'accord, ça passe au-dessus. Ok. Et là, on a un Massey Ferguson. Le 3670. C'est vraiment full. Hein. Full massé. Boum, 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 boum. Alors. J'adore, hein. Franchement j'aime bien quand c'est bien construit comme ça, la Pottinger là. Ah bah j'ai encore autre chose derrière. Là, je ne sais pas ce que c'est. Ah c'est une crème, c'est pour... Eh mais on a quand même du bon matériel quand même. Attendez, on a quand même... c'est pour les betteraves, ok. Les betteraves sucrières. Ouais, du beau bateau, ça, les amis. On va aller voir par là. C'est un petit poulailler, je pense. Un petit pâturage à poules. Là, franchement, c'est bien foutu. Ça nous fait plaisir de voir des belles petites maps comme ça. Hop. Là, on a un épandeur à chaud. Là, on a le semoir. Là, on a la Pottinger. En ballot. Et on a la... pour récupérer. Là, c'est une charrue. Elle est à nous, la charrue ou pas? Ouais. Ah. Ah, dommage. Bon. On a un petit étang. Pour aller nager le matin. C'est pas mal. Pour aller se laver. Bon, on va aller voir si il y a de la circulation. Et il y a de la circulation, Draghi, il va être content, Draghi. Attention les yeux, Draghi, il va être content. Il va être content. Alors. Je ne sais pas aller voir monsieur Draghi, hein, mon petit Draghi. Alors, on va aller voir un peu ce qui se passe par là.
concessionnaire. Le concessionnaire, ça se trouve, c'est du Massey Ferguson. Parce que, ouais, on en a du Massey Ferguson. Ah, c'est Gendir. Ah. C'est Gendir. Central Gris. C'est à nous aussi, ça. Non, c'est pas à nous, ça, je pense pas. Ah, c'est ça, nous aussi. Du gros matos hein, qu'on a. Par contre, les amis, je suis désolé, je crois qu'on va redémarrer la partie. J'espère que putain, ça m'emmerde un peu de faire ça en pleine partie. Bon. Là, c'est quoi? Point d'apparition. C'est une grande ferme, là, c'est quoi? C'est... On va redémarrer la partie, les amis. Je suis désolé. Hop, on va sauvegarder quand même. Je suis vraiment désolé de faire ça en pleine partie, mais bon, je suis obligé là. Je suis vraiment obligé parce que là je remonte pas en FPS donc. Et pourtant j'ai pas de mode donc c'est ça qui me fait peur. Pour quelques petites minutes, quelques secondes, pardon. Donc, j'installe un truc pause. Donc ouais, ça a l'air d'être pas mal, elle est vachement complète, hein, une quarantaine ou cinquantaine de champs les amis, donc c'est assez complet quand même, c'est... Ça change, d'avoir des petites maps françaises comme ça, ça change quoi, franchement, il y en a quelques-unes qui vont arriver là, avant la fin de l'année, qu'on attend tous, hein, tout ce qui est la map à Coco, franchement, il nous fait partager tout ça, là, n'hésitez pas à aller voir l'avancement, et il y a JC, la team des fracassés qui fait là, des lives dessus, sur la partie justement, et franchement c'est... C'est grandiose ce qu'ils font les fracassés aussi. Franchement, n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à aller voir les chaînes qui sont en description. Les chaînes de mes modos aussi. Il y a Vincent Paysan, la chaîne de Monsieur Cédric, la chaîne de Monsieur Madame Fred, Swiss Farmer, mon petit Draghi, 83. Clem. Alors, est-ce que ça va aller mieux là? Ouais, c'est pas dit que ça le mieux, mais bon. Hop, on était là. Voici, je suis à 40 fps, c'est cool. Donc du coup là, c'est, je ne sais pas ce que c'est. Et ça redescend, donc on va pas s'éterniser longtemps. Ça doit être une autre corde ferme, je pense. Ça doit être un autre corde ferme. Ok. Ça, c'est ce que c'est. Filature du couteau. C'est quoi, c'est une filature? Et non, mais ça, c'est bien foutu. Hein. C'est très très bien foutu. Et GG au modorateur. Hein. Franchement, quoi, au modor, quoi, ceux qui font les maps là. Franchement, GG à eux. C'est très très bien. Très très bien fait. Il y a encore un là. Donc ça se trouve, c'est des points de... J'aime bien, franchement, j'aime bien. Ça, par contre, ça doit pas être ouvert. Et là, c'est quoi? On visite, hein, les amis. J'aime bien, franchement j'aime bien parce que c'est vraiment bien, j'aime bien comme c'est petit. Bon après voilà, moi le problème c'est que j'arrive pas trop à faire tourner les maps, elles sont trop petites, quoi, trop compressées en fait. Les maps, j'en fais tourner des go et puis tout ça, mais quand c'est trop serré, j'ai du mal quoi. Donc on en est là, ah oui mais il y en a plein en fait. On va les visiter, hein. Encore une là. Par contre ce qui est... C'est mon point de vue. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ils prennent tous les mêmes cordes fermes. C'est un tout petit peu dommage. Ça, après, on peut rien y faire. Hein. Mais c'est un peu dommage. Ils auraient pu faire des fermes céréalières, un quai pour spécialisé pour les vaches, les moutons. Ouais, je sais pas ce que. Là, c'est pas fonctionnel.
Par contre, le petit centre-ville, il est pas mal. J'aime bien. Non, c'est bien foutu, hein. C'est très 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 bien. Ah, là, je sais pas ce qu'il y a eu là. Voilà. On joue à cache-cache. Non, c'est très bien conçu quand même. Bon, après, il y a quelques petits points négatifs. C'est comme je disais, c'est les mêmes bases. On va pas trop s'éterniser par là. On va aller voir là. Donc là, c'est les maisons françaises. Ouais, là, il y a que. Ouais. Là, elle est pas mal aussi, celle-là. Par contre, vous voyez, là, c'est bien. Ils ont quasiment repris le même bâtiment. Là, il y a un bon petit truc de stockage, là. Non, ça, c'est bien. Après, il en reste un. Nouvelle-Islande, ça, je crois. Après, on va aller voir le centre-ville quand même. Je suis un peu intrigué par le centre-ville. J'ai pas regardé là. Il y a un bon petit truc de rangement ou pas là. Je suis curieux là. Là, c'est fermé. Là, on peut ouvrir. Est-ce que. Ouais, on peut rentrer par là. Ressortir. Ok, on va aller voir le centre-ville. Alors le centre-ville, je sais plus où qu'il était. Négociation en bétail. Hop. On va aller voir déjà le négociation en bétail. Je suis désolé, ça fait déjà 12 minutes qu'on est ensemble, mais bon, il y a beaucoup de trucs à regarder sur cette map-là. Et je suis un peu curieux, quoi. Là, c'est une map française, donc ça vaut le coup. Hop. Donc pourquoi pas essayer de faire un petit truc dessus, regarder. Ensemble, par contre c'est le centre-ville, j'aime bien. Petit centre-ville et franchement j'aime bien. C'est pas trop serré, c'est bien. Ah bah, il y a des serres là. Mais c'est pas à nous ça. C'est pas des fonctionnels. Non, franchement, ça. Ça va bien, et franchement, j'aime bien les petits centres-villes. C'est un tout petit centre-ville, j'aime bien. Et là, qu'est-ce qu'il y a là? On a été le voir là, je crois. Ah, c'est quoi? Ah, aussi, on a été. C'est une négociation en bétail, ok. Donc, mon seul petit hic. Faites voir, attendez, on peut faire peut-être un truc. Il y a des bâtiments peut-être. On peut faire. Là c'est bien, vous voyez, ils ont laissé des corps de ferme. Le terrain nous appartient pas. Ok. Après les corps de ferme, il y en a plein. Par contre là, on peut faire quelque chose. On peut refaire une ferme là. Non mais c'est. Il y a peut-être du potentiel dessus quand même. Il y a du potentiel dessus. Moi j'aime bien c'est cette ferme là. Elle est au centre. Et vous voyez, moi je me mettrais un petit truc comme ça, vous voyez, si on veut faire un peu de stockage. On peut essayer de. Toc 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 toc. Non, c'est dans silo, silo. Hop. Non en fait ça va peut-être pas aller. Une histoire. Attendez. Non, ça ira pas.
Ah ouais, c'est peut-être celui-là qui va y aller. Même pas. Il faudrait en remettre un qui n'en a qu'un dedans en fait. Par exemple un truc comme ça, mais voilà. Ce tiroir ne vous appartient pas. Mais voilà. Je pense qu'avec nos silos qu'on a nous sur que j'ai moi, quoi que ce soit, je pense qu'on peut. J'ai quoi faire quoi. Et on peut faire un petit truc, un petit truc assez sympa là. Donc les amis, voilà, bon, on va se quitter. Il y a même le train, ça c'est bien. Je pense qu'on a dû tout voir. Et on les a vus. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des petits trucs là. Là, on peut pas acheter, ok. Et là, si on achète, ça fait tout ça, ça fait 180 000 euros. Si on achète là, ça fait 100 000 euros. Si on achète là, ça fait. Ah, allez, franchement, c'est dommage qu'on voit pas. Ça fait 150 000 euros. Non, on a belle des. Franchement, c'est une bonne petite map et franchement, ça nous fait plaisir de voir ça. Que ça sorte. Des petites maps comme ça, ça nous fait super plaisir, les amis. Croyez-moi. Bon, sur ce, les amis, je mettrai cette map là en description. Ça sera vers les midi. Et si j'ai envie de poster, mettre des maps en description et les mettre sur YouTube, je les mettrai. Moi, tant que les modérateurs ne le disent pas, je le mettrai. Moi, pour ma part, je reçois des messages des modérateurs de certains sites de Facebook qui me disent qu'il n'y a pas de souci. Eux, pour eux, ça leur fait vivre un peu la chaîne et puis tout ça, et que ça change. Comme je disais avec mes modérateurs, j'ai eu une discussion avec mes modérateurs, j'ai eu un message. Que le gars il était courtois et puis tout ça, mais qui me disait que je faisais beaucoup trop de quoi, que je faisais des maps, des présentations de maps et tout ça, mais de matériel j'en faisais pas, ou du gameplay. Mais monsieur, si vous n'allez pas venir me voir le soir ou quoi que ce soit en live, tu peux pas savoir ce que je fais ou quoi que ce soit. Je fais du gameplay, je fais du ETS, je fais du tankiste, je fais du farming. Bon, c'est du plus du farming, ok. Je peux pas me permettre de faire des présentations de matériel. Matériel, ça va sortir dans 15 jours. Dans 15 jours après, il y aura une mise à jour après. Et ce que tu vois en matériel, ça sort pas. C'est que du matériel 19 qu'on a et que c'est du reconversion qu'on a. Donc je peux pas me faire dire bah tiens je vais faire ça comme présentation quoi que ce soit. Présentation de map, c'est la présentation de map de base. Sur farming, si on fait pas de présentation de map, il y aura pas de farming non plus. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule que je voulais dire. Je préfère mettre carte sur table, j'ai rien à cacher plus tout ça, j'ai répondu à la personne en question. Après voilà, il y a même mes abos qui ont vu le message. Donc voilà, si on viendrait me dire quelque chose en disant voilà, ne mets pas trop de machin, de publications chez nous quoi que ce soit, je comprendrais et je ne le mettrais plus chez eux. Moi on me dit rien, donc je continue. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Et puis voilà les amis, sur ce je serai en live ce soir et même peut-être cet après-midi, en fin d'après-midi. Sur du ETS les amis, j'ai fait, comme j'en fais pas beaucoup, hein. J'ai rajouté des petites maps, russe map et une partie d'Afrique. J'ai réussi à trouver des petites maps assez intéressantes sur du ETS, donc du coup voilà, c'est franchement il y a quoi faire encore. Sur 27% je l'ai redécouvert, il me reste, je suis redescendu à 24% de découverte, donc ça m'a fait 6 ou 7% en plus sur une carte, donc c'est quand même beaucoup quand même. Donc voilà les amis, je remercie encore une fois les 471 abos, je remercie tous les modos qui sont présents sur les lives le soir et puis tout ça, et merci encore une fois à mon petit Draghi de m'avoir dit tiens il y a une carte qui est sortie. Et franchement, je te remercie beaucoup. Je remercie tous les modos, je remercie tous les abonnés. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, bye.